suis le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé. Je suis le représentant du GIZ. Mesdames et messieurs, les représentants des ministères techniques partenaires ici présents, mesdames et messieurs, en vos titres, fonctions et grades respectifs, chers artisans de la GIZ qui a su mettre en œuvre le projet Cocoton dont le Cameroun est l'un des bénéficiaires. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses salutations aux responsables des structures partenaires et aux responsables à divers niveaux qui ont uni leurs efforts pour rendre possible cette manifestation. L'urgence, les quartiers Ipoudou et Bliquetéri, et d'autre part, le marché Mokolo, temple de la fruiterie, qui nuit indubitablement à cette filière et à notre économie nationale dans son ensemble. C'est fort de ce constat que la commune d'arrondissement de Yaoundé 2 ne pouvait pas se mettre à l'écart d'une telle initiative, telle que celle de Camtex là, qui se positionne d'entrée de jeu comme une plateforme d'accompagnement de nos entrepreneurs et artisans. D'un côté, Camtex Lab ouvre ainsi une nouvelle ère pour la filière textile qui pourra booster davantage la production du coton, le commerce et l'industrialisation du Cameroun. Je suis particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce projet qui, j'en suis persuadé, aidera le Cameroun en général et la commune lancement de Yaoundé 2 à migrer vers un développement économique profitable aux populations. Je souhaite plein succès au projet Camtex Lab. Vive la filière coton textile confection du Cameroun. Vive la coopération germano-camerounaise. Vive la commune lancement de Yaoundé 2e. Vive le Cameroun.